Hey, salut tout le monde, aujourd'hui petite sortie truite là sur un affluent de l'Orbe. Donc voilà, je vais chercher la truite principalement au leurre, leurre souple, poisson nageur, power, tide. Enfin, je verrai bien ce qui marchera. Et un peu plus tard peut-être faire une petite sortie un peu plus haut là sur un secteur où il y a peut-être quelques poissons d'activité. Donc petite sortie en mouche sèche. Voilà, un peu de fouet, ça serait cool. Dans un premier temps, on va pêcher au leurre et on verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais prendre un petit leurre souple assez clair, comme ça, avec une petite tête plombée de 3 grammes. On va commencer par ça. On verra bien. Allez, premier lancer. Je viens de passer sur la colorie un petit peu plus foncée. Voilà, ça fait plus penser à un petit verron. Ben voilà, là je viens de mettre un petit leurre que j'ai fabriqué, un petit leurre maison, petit poisson nageur. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oui! Oh non! Oh putain, je décroche un poisson! Aïe 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 aïe! Avec mon petit poisson nageur, je suis dégoûté! C'était beau en plus! Hein. J'ai une truite qui est venue dans mes pieds qui devait faire 30-35. Je pense 35, ouais. Elle est venue voir mon leurre, ça l'a vraiment intéressé. Allez, je viens de changer pour un petit black minnow. Voilà, pour essayer de faire cette truite là, qui a une truite qui a tué. Allez, le premier lancer va être important. Je sais pas où c'est qu'elle est, mais. Cette truite ne revient pas. Bon, mais je vais abandonner l'endroit là et essayer d'y repasser plus tard, si je peux, d'ici une ou deux heures là. Voir si cette truite est à nouveau dehors. Allez, je repasse avec mon petit poisson nageur. Fabrication maison, je rappelle. J'ai jamais attrapé une truite de ma vie avec mes leurres. Chandelle. Et là ça fait bien plaisir parce que c'est une truite faite avec un leurre fabriqué maison quoi. Ça c'est vraiment chouette. Je fais des leurres qui marchent. C'est déjà un bon point. Bon, je suis un peu déçu, c'est une arc-en-ciel mais bon. Il y a quelques lâchers apparemment qui se font ici, ou des truites qui ont été lâchées beaucoup plus haut et qui sont venues là. Mais bon, voilà, il y a des arcs-en-ciel. Reste là. Un poisson qui fait
37. Belle arc-en-ciel, bien fine. Allez. Bon, petit leurre maison validé. Ou du moins validé pour les arc-en-ciel. Voilà, je viens de tomber sur un tout petit affluent de la rivière où je suis. Et je vais essayer de le remonter un peu, voir si c'est du poisson ou pas du tout. On voit bien que la remontée pour les truites, là, c'est juste quasi impossible. Hein. Je pense que c'est impossible de remonter ici. C'est tellement dommage. Bon, je viens de remonter ce petit cours d'eau qui m'a l'air plutôt sympa. J'ai pas trouvé un poisson, mais en fait, il y a deux pêcheurs devant moi. Donc voilà, c'est compliqué de remonter un tout petit cours d'eau comme ça quand il y a du monde qui pêche. Donc je laisse tomber. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Un autre petit endroit en plus à connaître, à explorer. Donc c'est cool. Allez, on va continuer sur l'autre rivière. Allez. On va continuer ici. Je vais peut-être passer avec un leurre souple ici par contre. Hop. Tout petit poisson décroché. Je décroche un tout petit poisson. Moi j'arrive sur un poule là qui est vraiment joli. Il y a quand même une grosse profondeur d'eau. On va commencer par le bas là. On va essayer de pêcher au leurre tout doucement. Il pourrait y avoir une mémère ici. Poisson. Oh c'est gros. Oh c'est beau. Yes. Ça fait un moment que j'y travaille ici. Ah c'est une orque encore. Oh c'est fou ça. Bon, eh bien, deuxième arc alors. Un peu déçu que ce soit une arc. Je voyais ça plus gros quand même. Bon, c'est une arc en ciel, mais... mais avec des belles dents, des belles nageoires, bon, ça fait plaisir quand même, c'est un beau poisson. Bon, c'est la dette la même, 35. À peu près la même que la première. Voilà. Très bel arc-en-ciel, 35 celle-là. Elle a eu plus de gomme que la première. Bon, cette fois-ci, au petit leurre souple. Cool. Non, là, je viens de prendre la voiture, j'ai fait quelques kilomètres, je suis descendu un petit peu sur la rivière pour essayer de trouver quelques farios.
poisson. Sur un bel endroit là, très beau spot là. Allez là. Poisson. Mais c'est fou, c'est une arque encore. Celle-là, elle a du jus. Ah, c'est casse-pied. Elles sont passées où, les fariots? Je la mesure pas celle-là, mais pareil, encore 35. Très très abîmée celle-là. C'est vraiment, je pense, c'est une truite qui a été lâchée là pour l'ouverture. Ça commence à m'embêter un peu de ne pas avoir de fario là. Ça commence à. Allez, va. Je te laisse ta chance. Mon petit leurre souple là qui commence à être fatigué là. Alors, s'il peut pêcher encore un peu, mais bon. Ouais. Oh. Oh, elle a pris le rapide. Elle est où? Bon, ben toujours une arc. Bah ben voilà. Elle est juste là. Encore une arc, autour de 40, 30, 35 et 40 par là. Cette fois-ci, au poisson nageur. Allez, petit essai avec un gunky. Poisson. Et c'est une fario, enfin. La voilà, la belle fario. Ah, ça fait plaisir. Ah.
s'est décroché tout seul. Allez, on va regarder ce poisson. Une très belle fario. Fait 32 ce fario. Un peu plus. Ouais, 32. Voilà. Superbe truite. Poisson. Yes, petite fario. Bien sombre ça là. Hop. Voilà, deuxième fario, plus petite que la première. Très très sombre celle-là. Très beau petit poisson. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.